Alors là, on va quitter l'hôtel pour aller en direction de la petite île en face de la grande ville. On va prendre la direction du pont de bambou. Bon, alors on se rapproche du pont de bambou. Et ici, il fait pas loin de à peu près 40 degrés. On est en février. Hein, et vous allez traverser avec moi le fameux pont de bambou. À savoir que ce pont-là, eh bien, les Cambodgiens le refont chaque année, puisque pendant la saison des pluies, eh bien, le Mékong monte et évidemment emporte le pont de bambou. Et vous allez voir, c'est très surprenant parce que non seulement il est très long ce pont, et en plus il est très solide et il est refait chaque année pour bien sûr les résidents à la fois de l'île et à la fois de cette ville, Kampong Cham. Voilà, c'est parti. Alors, hello! Hello! Vous avez vu, tout le monde vous dit bonjour ici. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils vous répondent. Et là, on va traverser pour prendre le pont. On va essayer de ne pas se faire trop niaquer quand même, parce que le vélo est un peu vétuste aussi. Les freins, vous allez les entendre tout à l'heure lorsque je vais m'en servir. Et là, c'est parti. On va prendre la grande descente pour aller voir le fameux pont et le traverser. Hello! Hi! Hello! Bon, yes. Oh, ils nous ont ignoré. Attention, oh là là. On va lentement parce qu'en plus je conduis d'une main, j'ai le ukulélé de l'autre. Et on va s'approcher un tout petit peu avant de couper. Yes. Bon, c'est un peu périlleux là ce que je fais, mais on va essayer de s'en sortir. On va aller de l'autre côté. On va couper un peu la caméra avant d'entamer le bambou, parce que le bambou bien sûr n'est pas très très stable. Hello! Yes! Voilà, on va couper un peu. Yes! Hello! Attention, c'est parti pour la traversée du pont. Waouh! C'est un peu de l'accrobranche, mis à part que c'est sur un pont. Voilà, et là on arrive de l'autre côté. Et évidemment, de l'autre côté, il va falloir un peu payer parce que ça leur permet bien sûr d'agencer le pont et de préparer celui de l'année prochaine. Et là, regardez, fil de fer et tous ces bambous servent. D'ailleurs, ils ont commencé depuis de nombreuses semaines, puisqu'évidemment, il faut quand même près d'un an hein, pour construire tout ça. Voilà, ils préparent tout ça. Vous voyez, tout est par terre là, et au fur et à mesure que le temps passe, ils alignent les bambous les uns les autres. Voilà, le monsieur est en train de couper, avec la grosse cisaille, voilà, la grosse tenaille, et il prépare tout ça. Allez, un tout petit peu de musique pour le fun. Thank you.
Thank you.